Bonjour. On va commencer par la Genèse. Je suis née en 1944, papa en 1910, maman en 1912. Ça veut dire que j'ai été élevée par des gens du 19e siècle qui m'ont follement aimée, mais qui ont voulu m'élever comme ils l'avaient été eux-mêmes. C'est-à-dire que on ne fait pas naître une personne particulière. On forme l'enfant à l'image de ce que doit être la famille. Et moi, ça ne m'allait pas du tout. Alors, j'obéissais, mais j'étais rien. En même temps, ce qui m'a sauvée, je pense, c'est que j'avais un rêve que j'ai eu, mais très, très tôt, très, très tôt. Je voulais écrire. Et puis, je voulais aussi remonter l'Amazone. J'avais vu le nom dans un atlas, ça me faisait rêver. Et puis éventuellement me marier avec Burt Lancaster parce qu'il était quand même très beau. Donc j'ai eu une éducation bourgeoise comme il faut. Tu obéis à tes parents, tu te marieras en blanc, tu auras des enfants, tu offriras ta souffrance à Dieu, etc. Pas du tout. Et j'ai fait des études. J'ai fait des études de lettres que mes parents m'ont offert. C'était un très beau cadeau. Et j'ai cherché un métier où on écrit. Le journalisme, ce n'était pas vraiment ouvert. Et je suis rentrée dans la publicité. Alors, c'était marrant comme tout. Je faisais des messages radio, 90 mots, 30 secondes, etc., etc. J'ai fait une jolie petite carrière. Et puis est arrivé mai 68. Alors bon, ça a été génial, mai 68, les femmes ont eu le droit d'exister, l'individu a eu le droit d'exister, mais il n'y avait plus de transport en commun. Et moi, il fallait que je marche énormément entre mon appartement et le bureau. Je n'avais aucun permis de rien, alors j'étais efficace, je suis allée m'acheter une moto. Mais pas une moto parce que je n'avais pas de permis, c'était en réalité un CB50 Honda, un vélomoteur, on appelait ça une tasse à café, ou une mouche à merde, au choix. Et je suis allée rouler sur ma petite Honda, et c'était génial, c'était l'espace. Quand est arrivé le mois de septembre, je prenais toujours mes vacances en septembre, j'ai annoncé aux copains à l'agence, « Allez, je vais aller voir la Méditerranée, je ne l'ai jamais vue, oh, ça va être bien. »« T'es folle, fais pas ça, c'est impossible, t'es toute seule. » »« Bah ouais, ben alors. » Bon, je suis montée sur ma petite moto, et à 60 à l'heure, je suis allée de Paris jusqu'à la Méditerranée. Ah, les enfants, c'était le paradis. Et puis je suis rentrée, et puis j'ai repris ma carrière. Et puis j'ai passé mon permis moto, et puis j'ai eu des motos de plus en plus puissantes. Et c'était toujours génial au mois de septembre, au point qu'un jour je me suis dit, mais attends, 11 mois de ta vie t'es heureuse, et le 12e tu es très très heureuse. Alors quand tu vas mourir, c'est quoi l'addition? Et j'ai commencé à étouffer. Et imaginez-vous qu'en 1972, je prends le papier parce que, vous savez, j'ai des trous de mémoire. Alors, je préfère blinder, hein. J'ai toujours roulé avec un casque. Et en 1972, s'organise le premier raid moto vers l'Orient, Paris-Ispahan. Je m'inscris à ce raid. Et tout le monde me dit, mais il ne faut pas aller là-bas, mais c'est des fous, tu vas te faire assassiner, violer, tu vas finir dans un baril de pétrole à Abu Dhabi, etc. Je veux dire, je préfère encore ça que de rester dans une vie où j'étouffais. On me prête une moto énorme, une 750 Guzzi. Quand elle penchait, je ne pouvais pas l'empêcher de tomber. Quand elle était par terre, je ne pouvais pas la relever. Mais j'y vais. On est parti à 105. 92 sont arrivés à Ispahan. J'y étais. Il y en a 11 qui disent « on va en Afghanistan ». Ah, mais attendez! Attendez, là, c'est le début, hein. 11 mois en Afghanistan, je les suis. 5 au Pakistan, j'y suis. Et puis, je reviens en France et j'écris mon premier livre. Et là, mais vraiment, je suis rentrée dans le paradis sur Terre. Il y avait mes chats, ma plume, mon papier, un éditeur, le voyage, génial. Au point que je m'étais dit, je vais peut-être reprendre la publicité à moyen terme, comme ça. Non, c'était plus possible. Donc il faut que je fasse quelque chose de très très costaud pour qu'on me prenne au sérieux et que je puisse continuer. Et j'ai annoncé que j'allais faire un tour du monde toute seule. Pourquoi toute seule? Parce que pendant ce premier voyage, j'avais compris que les autres étaient un écran entre moi et les pays que je traversais.
Or, l'Afghanistan m'avait quand même sauté au cœur, le Pakistan m'avait sauté au cœur, la Turquie de l'Est, ça m'avait bouleversé, etc., etc. Mais il y avait cet écran. Et puis l'autre chose, c'est que quand une moto comme ça se casse la gueule, si je ne peux pas la relever, je risque d'être coincée au milieu de nulle part. Et dans tous les pays, on peut tomber sur quelqu'un de mal intentionné ou tout simplement mourir de froid pendant la nuit. Donc je suis partie avec une moto minuscule, 120 cm3 Kawasaki. Mais elle roulait à 80 à l'heure, celle-là. Et du progrès. Je suis partie par le Canada et l'Alaska. C'était un long voyage, 10-11 000 km. En principe, sans trop de problèmes, on ne m'avait pas dit qu'il y avait 2000 km de piste entre le Canada et l'Alaska. J'arrive au Japon, je fais un très beau plat ventre pour entrer dans l'usine Kawasaki à Akashi. Ensuite, je me retrouve en Inde. Et là, j'étais sur une autre planète, vraiment. Japon, j'ai rien compris. L'Inde, j'ai rien compris non plus, mais c'était chaleureux. Il y avait des types qui me tapaient dans le dos en disant « You're completely crazy, Mim Sahib », qui s'en allaient. J'adorais ça, qu'est-ce que vous voulez ? Et puis j'arrive au Pakistan, il y avait plein de gens partout, je me disais, bon, il ne peut rien se passer. Enfin, puis en plus, qu'est-ce qu'ils sont marrants, qu'est-ce qu'ils sont sympas, ils viennent discuter avec moi. Je passe la passe de Khyber, et puis j'arrive à la douane afghane. Il y avait plein de camionneurs avec de merveilleux camions peints en rose de toutes les couleurs. Et moi, je suis arrivée sur ma petite moto, ils me regardaient, puis ils ont tous commencé à se marrer, ils me tapaient dans l'épaule en disant « Very brave woman !» Alors bon, ben je passe tout ça en me disant « Mon Dieu, ils sont gentils, quand même, c'est un pays un peu désert. » Je vais aller aujourd'hui à Kaboul, ensuite demain je vais de Kaboul à Kandahar, 540 km je l'ai fait, c'est plus goudronné, Kandahar et Rat, et puis après, tranquille. Bon, je démarre, et puis au milieu de nulle part, entre la douane et Jalalabad, ma moto fait chpouf, et c'était le pneu avant qui était crevé. Alors je commence à démonter ma roue, difficilement. Arrive un des premiers camions qui m'avait dit « Very brave woman » à la douane. Problème ? Non, 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 tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors, ils s'en vont. Deuxième camion, pareil. Troisième camion arrive, demande même pas, s'arrête. Et trois armoires à glace en turban descendent. Visage fermé. Bon, ben, je me dis « Ça y est, j'ai joué, j'ai perdu, tant pis, quoi. » Le premier m'attrape par les épaules, il m'assied par terre. Les deux autres ont changé ma roue et le premier est resté entre le soleil et moi pour que je n'aie pas trop chaud. Quand c'était fini, ils m'ont tapé dans l'épaule et ils ont dit « Very brave woman ». Je vous assure que pour la première fois de ma vie, j'ai eu honte. J'ai eu honte d'avoir cru toutes les conneries qu'on a pu me dire. J'ai eu honte de penser que ces gens n'avaient pas d'honneur. J'ai pensé que parce qu'ils avaient la peau sombre, je ne le pensais pas, on me l'avait dit, mais je ne l'avais pas nettoyé de ma tête. Et c'est ça ce que j'aurais dû faire. Et c'est de ça que j'ai honte. C'est de m'être laissée imprégner par des conneries. Et du coup, je suis allée me balader en Afghanistan. Et j'ai adoré ce pays. Et j'ai adoré ces gens. Et j'ai adoré ces paysages. Et les gens venaient me voir, j'étais la télé en couleur pour eux. Parce que vous imaginez quand même que dans des pays où les femmes sont voilées, on voit arriver une nana toute seule sur une moto et qui en plus se marre. Mais attendez, c'était fabuleux. Le nombre de fois pendant ce voyage dans ces pays où on me disait que c'était des sauvages, l'Iran, la Turquie, l'Afghanistan, le Pakistan, où je déjeunais dans un chaïrana, dans un petit restaurant au bord de la route, et où au moment de payer, on me disait « Ah non, 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 quelqu'un l'a fait pour vous. » Et je ne savais pas qui. Vous imaginez qu'on fasse ça en France pour un Maghrébin, pour quelqu'un qui vient du Pakistan ? Non, ils sont dans la rue. Ça, c'est un cadeau que vous me faites.
Et j'ai continué ma vie comme ça. Je me suis promenée en Australie, j'ai adoré l'Australie. J'ai passé 7 mois en Amérique du Sud, j'ai adoré le Pérou. J'ai eu une vie de rêve où je me baladais, je me cassais la gueule avec mes motos, bien entendu. J'avais toujours pas le permis voiture. Je rigolais comme une folle, je rentrais, j'écrivais mes livres. C'est vrai que je tombais un peu amoureuse de temps à autre aussi. Je repartais. Et puis en 81, le gouvernement Mitterrand a mis en place le carnet de change. Enfin, ça, c'était un contrôle d'échange. Donc, on ne pouvait plus sortir l'argent de France. Donc, je ne pouvais plus voyager. Du coup, j'ai écrit des romans. Et ça a été passionnant d'écrire des romans. Et de nouveau, j'ai continué à être heureuse. Et ce que je n'avais pas compris pendant mes voyages, et que je n'avais pas compris de moi aussi, au fond, mon travail de roman, ça a été un travail d'analyse fabuleux. Mais les voyages à moto, ils étaient oubliés. C'est vrai que je faisais des tas de reportages, toujours sur ma moto. Mais si vous voulez, toute cette grande saga, c'était loin. Et imaginez-vous qu'en 2016, Claire Wedd-Keller, qui était à cette époque la styliste de la maison de couture Chloé, me demande si elle peut utiliser quelques phrases de mon tour du monde, donc d'il y a 45 ans, pour sa collection automne-hiver 2016-2017. Ça, la mode, bien sûr. Et elle fait une collection qui s'appelle Les motardes romantiques. Et jamais aucune collection n'a eu autant de presse à travers le monde entier, jusqu'en Corée du Sud. J'ai vu sur Internet, clic, 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 écrit en asticot, avec juste mon nom en vrai, Anne-France d'Hauteville. Et voilà qu'elle avait ouvert mon cercueil, que ce tour du monde que j'avais fait joyeusement, légèrement, est ressorti. Et il est ressorti parce que je crois que notre société en rêve. Depuis, je suis souvent invitée à droite à gauche pour raconter mon voyage, mes autres voyages, pour rencontrer des gens. Et je vois arriver des garçons, des filles de 20 ans, de 30 ans qui me disent qu'est-ce qu'on voudrait vivre ça ? Qu'est-ce qu'ils rêvent de ce monde qui était léger, qui était joyeux, et où, au fond, les impossibles avaient un peu explosé ? Eh bien, je crois que s'ils en rêvent, ils referont ce monde-là. Parce que quand une société rêve, elle réalise. Elle met le temps, quelquefois. Il y a plein de choses à nettoyer, mais ça reviendra un jour. Alors, vous voyez, entre les impossibles de ne pas exister en tant que moi-même, l'impossible d'aller en Afghanistan, l'impossible de trucs, l'impossible de machin. Bon, maintenant, je vais regarder dans mon papier parce que ça, c'est au fond mes petites recettes. Mes voyages m'ont appris donc comment on explose les impossibles, l'impossibilité de se rencontrer. Alors, il faut faire passer la curiosité, mais après la prudence, parce que partout il y a des règles du jeu, et avant la peur. Et la clé, c'est « tu es qui, toi ?» Et ça marche dans les deux sens. Quand on dit « tu es qui, toi ?», on ouvre le cœur de l'autre, et on s'intéresse à lui et le voit. L'impossibilité de s'accepter. Chaque peuple est un individu. Il a mis des siècles à se construire. Il a son identité. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, écrivait Pascal. Il faut accepter la diversité. Impossible de se comprendre. On ne peut pas vraiment se comprendre. Quand moi je dis « je » en Occident, je dis « moi toute seule, dans le temps, dans l'univers, moi toute seule ». Quand on dit « je » en Orient, c'est moi, ma famille, mon clan, ma religion, mes amis. On n'a pas le même « je ». Alors on communique par les racines. Et ça, je vous assure que c'est fabuleux, c'est émouvant, c'est généreux, c'est sincère. Impossible de partager. Il ne faut pas demander trop. Il ne faut pas demander trop parce qu'on ne vit pas de la même manière, on n'a pas les mêmes codes. Mais simplement un regard, un sourire, et ça, c'est gigantesque. C'est le signe qu'on se respecte et qu'on s'accepte. Maintenant, il y a un seul impossible auquel je tiens et je ne veux pas qu'il disparaisse. C'est la construction d'une seule vérité pour le monde entier, de l'uniformité. C'est la différence qui fait qu'on se pose des questions, qu'on cherche l'autre, et qu'en cherchant la différence, reconnaissant la différence, on reconnaît par où on se ressemble. Et c'est comme ça qu'on est des humains. Et c'est ce que j'ai appris, le derrière sur ma moto, du cambouis sous les ongles et le vent dans les oreilles.